Hey, salut à tous, on va commencer un peu à parler des JO. Allez, je sais qu'il y en a qui en ont marre. D'accord. Dans toute cette ambiance un peu positive, sympa, où il se passe des trucs cool, je comprends que ça nous saoule, nous les Français. T'aimerais pas avoir la vie de Snoop Doggy Dogg? Le mec, il part 2 semaines à Paris, tout frais payé, et il gagne 8 millions d'euros pour faire quoi? Pour faire des conneries sur un cheval, vivre sa meilleure vie à faire tous les sports du monde. Alors voilà, t'es un peu ridicule, hein. Mais ça reste une éclate. Moi, j'ai envie de te dire, voir Snoop Dogg avec une bombe sur la tête, sur un cheval, bah moi, je vote pour en tout cas. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde s'éclate avec ça, tu vois, notamment les politiciens. Alors que Snoop Dogg, il est connu beaucoup pour la drogue et les prostitutions. Donc, en fait, je me dis que quand tu vieillis en tant que rappeur, on accepte certains trucs que tu faisais qui n'étaient pas bien. Tu vois, c'est comme Joey Star maintenant, voilà, ça beau être, il a beau faire des trucs horribles, tout le monde dit « Oh non, mais il est quand même sympa Joey », tu vois. Il y a un côté où plus tu vieillis, plus tes fans vieillissent, et donc tout le monde t'excuse, tu vois. Alors moi j'adore Snoop Dogg, écoutez, je suis passionné. Mais je trouve ça toujours rigolo quand Macron il commence à mettre un tweet, à faire des blagues avec Snoop Dogg dedans. Je lui dis, bah, t'es pas pour la légalisation du cannabis. C'est quand même sa marque de fabrique à Snoop Dogg. Enfin tu vois, si sa marque de fabrique c'était le sport, bon bah ok, tu vois, je dirais pas non. Mais là c'est quand même de la drogue. Voilà, bon en tout cas, franchement, il fait trop plaisir à voir. Hein, parce que vraiment, il a l'air trop bien. Dis-moi d'ailleurs si t'aimerais bien être à sa place. Mais moi j'aimerais trop, putain. Puis Snoop Dogg, pour moi en plus, c'est le film porno qu'il avait fait. Donc j'ai du mal à associer que tout, même ma mère, elle trouve ça marrant, tu vois. Mais bon, au bout d'un moment, est-ce que tu ne deviens pas le clown de la fête? Tu sais, quand t'es le seul de la fête à être comme tu es et que tout le monde regarde pour rigoler, est-ce qu'à un moment tu... Ah, je sais pas. Tout le monde apparaît et pas te dire que pendant les JO, Paris, c'est trop cool. Certains disent que c'est parce qu'il n'y a pas de Parisiens. Bon, je suis d'accord, je suis comme vous. Moi, je suis pour Thanos, pour qu'il y ait la moitié de la population qui décède. Mais moi, je pense que c'est un peu plus loin. C'est surtout parce qu'en fait, à chaque coin de rue, il y a quelqu'un qui te dit où aller. Ce qui est génial, du coup, c'est qu'en fait, c'est plus fluide. Tous les touristes relous qui savent pas où aller, machin, machin, qui te posent des questions, t'as pas envie de parler anglais, moi, je suis là pour m'acheter un Starbucks, me casse pas les couilles. Et ben là, ils vont. Et donc, du coup, il y a un côté, il y a un mood, quoi, sympa. Bon, après, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de voiture et que quand même, il y a 50% de la population qui ne soit plus là. Mais donc, moi, je trouve qu'en fait, ils devraient faire comme ça, c'est que toute l'année, on devrait faire qu'il y ait des gens tout le temps qui t'aident, tu vois, mec. Alors, c'est sûr que ça ferait des salaires payés pour pas grand chose, mais tu vois, les mecs, ils sont là, monsieur, oui, je cherche ça, hop, tu l'as direct. Après, ça me fait toujours marrer aussi les gens qui disent, non, mais c'est génial, il n'y a pas de voiture, il n'y a personne dans les rues, il y a de la police partout. En fait, les gens veulent vivre dans une dictature avec des villes sans voiture, tu vois. En fait, je pense que les gens. Est-ce que l'être humain n'est pas fait pour vivre sous une dictature, tu vois? C'est ce que je suis en train de me dire. T'sais. En fait, ce qu'on aime bien, c'est que ça soit bien rangé, bien. Ouais, comme une dictature, en fait, c'est ça. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent, les gens. Bon, c'est bien les JO, mais vous savez qu'il y a une guerre qui est en train de se préparer? Moi, je trouve ça dingue. Écoute, je trouve ça beau que tout le monde s'éclate, ça se tient dans la main. Il n'y a plus de racisme, plus de discrimination sociale. Mais il y a quand même des gars à l'autre bout de la Méditerranée qui sont en train de préparer un cercle merdier, quoi, tu vois. Et en fait, je trouve ça fort qu'il y ait un événement comme ça qui te fasse oublier tout. En fait, tu ne parles plus des violences, des pays qui souffrent et tout. T'es là, bah non, il y a de l'escrime. Écoute, moi j'ai quand même pris un jour de congé pour voir la finale homme du sabre. Je suis pas à la différence entre un sabre et une épée, mais bon, j'y vais. Hein. Je trouve ça cool parce que du coup, ça nous allège un peu aussi. Tu vois. Mais la réalité va être dure. Va être dure. Va falloir s'accrocher un peu là. Ah non, mais là, je vous cache pas que là, dès lundi, là, va s'accrocher un peu. C'est pareil en France. Hein. Moi, je pense que t'as Mélenchon, Marine Le Pen qui sont tous en train d'attendre là. Ils ont. Et puis ça va rattaquer lundi, hein. Le truc. Ah, préparez-vous à des grèves en septembre, ça va être bon. Mais bon, on a gagné 15 médailles d'or et 26 000 médailles d'argent, donc ça va, la guerre, c'est pas si grave. Ah, j'ai vraiment du mal à enregistrer en public, c'est un truc de ouf. Non, mais profitez bien en tout cas de vous amuser pendant les JO, parce que dès cette semaine, hein, il n'y aura plus de médailles, donc vous emmerdez pas à regarder les JO. Hein. Regardez-vous bien une bonne série ou un bon film, il y aura plus d'action, quoi. T'as. J'aime bien ce côté où dire, oh, on est les plus forts, on est plus forts. Là, dans une semaine, il n'y aura plus personne. Bon, on va se mettre bien en tout cas. Bah, dis-moi en commentaire quel est le sport que tu as préféré pendant ces JO. Et puis voilà, et puis profitez quand même. Moi je suis un peu rabat-joie, mais j'aime beaucoup les JO. Je trouve ça vraiment cool. J'adore. Vraiment. Bon voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui t'a fait marrer. N'hésite pas à t'abonner et à liker, bien entendu. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc qui on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sur Amazon, ça vaut 10 euros et ça m'aide vachement. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo.